étudie la saine doctrine. Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus. Nous sommes encore là pour notre émission. Ici, c'est la deuxième partie de ce que nous avions déjà commencé sur le ministère de prophète ou le ministère prophétique. Nous avions eu à parler des réalités de ce ministère et beaucoup d'éléments, mais nous sommes encore revenus parce que le Seigneur nous met à cœur de poursuivre, parce que le peuple de Dieu en a besoin et surtout les ministres aussi en a besoin. Donc j'ai tous les hommes de Dieu qui sont là. Jésus. Pour la première partie, il y avait quelques hommes de Dieu qui n'étaient pas là, mais que vous remarquez qu'ils sont parmi nous maintenant, comme notre responsable évangéliste Jean Gracien qui est là aujourd'hui. Alléluia! Pour acclamons le Seigneur. Et nous avons aussi notre serviteur, le docteur Daniel de l'église de Cotonou, qui est aussi là pour nous assister, et nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. Donc, pour commencer les choses, nous allons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur, afin que son esprit nous dirige, que son esprit nous accompagne. Donc nous allons prier, bénir le Seigneur et demander que son esprit nous inspire et nous accompagne. Seigneur Jésus, te disons infiniment merci que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré, que ton nom soit exalté, Seigneur Jésus. Nous parlons de même de Dieu que tu viens, nous parlons au monde, Seigneur Jésus, à pour que nous servons des choses. Enfin, nous prions, Papa, ne permets jamais de choses. Nous prions, toutes les paroles vous seront données par mon esprit. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous accorder les paroles de sagesse, de connaissance, en tout cas de nous donner toute sa science afin de dispenser cela à son peuple. Maintenant, prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous prions que tu puisses nous donner ta parole. Seigneur, que nous puissions penser cette parole et répandre cette parole, nous dispenser cette parole, reconnaître cette parole. Seigneur, parle au nom de Jésus. Seigneur, proclame. Par nos bouches, Seigneur, enseigne, par nos bouches, donne des révélations, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas parler de nous-mêmes. Mais nous voulons annoncer ta gloire. Magnifique, nous annoncer par toi. Au nom de Jésus, nous allons prier. Nous allons encore faire cette prière. Nous allons demander au Seigneur de nous conduire à révéler des points clés qui vont enlever les points d'ombre dans l'esprit de son peuple. Des sujets forts liés à cet enseignement, cette série que nous avions commencé, inspirée par le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, révèle-nous des sujets qui vont être les choses que l'Esprit de la révélation l'Esprit de la révélation parce que les choses de l'Esprit par ton esprit, les choses de l'intérieur, par ton esprit, ta révélation, les gens sont jurés, restaurés, édifiés pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Je vais demander à l'évangéliste de remettre tout entre les mains du Seigneur et nous allons commencer. Prions. Seigneur Jésus, Dieu très très saint, Papa, nous voulons te bénir, Seigneur. Papa, c'est toi qui inspire, c'est toi qui es devant ce réveil. Chaque événement de ce réveil, c'est toi qui l'inspire et c'est toi qui le conduis. Seigneur, cette table ronde que tu as inspirée pour enseigner encore ton peuple d'une autre manière, Papa, nous voulons te dire merci. Et nous te confions, Seigneur, cette séance. Papa, tu es l'alpha et l'oméga. Tu as déjà commencé avec nous. Et nous croyons fermement que tu seras encore présent avec nous jusqu'à la fin de cette séance, Papa, pour que toute la gloire te soit rendue. Seigneur, Papa, remplis-nous de ta présence, de ton esprit. Seigneur, tout esprit qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu
soit boosté dehors au nom de Jésus. Et que ton esprit s'enraye au milieu de nous, papa. Seigneur, tous les sujets que nous allons aborder, que ce soit des sujets qui édifient ton peuple et non des sujets de confusion dans leur vie. Seigneur, sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Comme hier, je laisse la place à l'apôtre Paul pour nous conduire dans tout le moment d'enseignement. Soyez bénis de Dieu. Amen, amen. Shalom, shalom, un peu de Dieu. Bienvenue dans notre émission spéciale Candide la Sainte Doctrine. Nous sommes dans la seconde partie de l'émission que nous avons débattue sur le ministère prophétique, les controverses. Alléluia. Et nous avons commencé par présenter les réalités de ce ministère. Et vous étiez nombreux à nous suivre. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu va encore nous conduire à mieux rentrer en profondeur de ce ministère qui est très, très important. Alléluia, dans la vie de l'Église et aussi dans la préparation du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous n'êtes pas sans savoir que le retour de Jésus est conditionné par un mouvement de grand réveil. Alléluia, toute l'Église doit être réveillée, toutes les nations doivent être réveillées et se préparer pour aller à la rencontre de l'Époux. Amen. Amen. Donc, hier, nous avons vraiment parlé, depuis que Dieu même, par sa volonté, a mis en place beaucoup de plans de rédemption pour pouvoir racheter l'homme. Et nous avons vu les dispensations que Dieu a mises en œuvre et nous avons retenu deux grandes dispensations. Nous avons vu la dispensation conduite par Moïse et aussi par notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons eu à évoquer un sujet vraiment très, très d'actualité, la question du prophète majeur. Et c'est là que nous avons compris que hier, Moïse était l'un des grands prophètes majeurs ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons fait la comparaison entre ces deux prophètes majeurs. Et le livre d'Hébreux 3 nous a montré que Jésus-Christ avait une excellente gloire. C'est-à-dire, sa disposition est beaucoup plus glorieuse que celle prônée par Moïse. Ça ne veut pas dire que la disposition de Moïse était mauvaise, non. C'était une disposition comme un pédagogue qui allait conduire à Christ. Donc hier, nous avons vraiment parlé de ça. Et aussi, nous avons beaucoup présenté aussi le tableau obscur du ministère. Pourquoi ce ministère est tant critiqué aujourd'hui? Nous avons parlé beaucoup des choses qui se pratiquent et nous avons dénoncé ça. Donc aujourd'hui, nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Alléluia! On va rentrer dans le vif du sujet. Et d'abord, la grande question que nous allons vous poser, c'est que je vais m'adresser directement au secteur du nom de Dieu, le Dr Silas. Dr Silas, le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nous et il nous a laissé l'héritage qui est son Église. Mais avant de partir, il est dit quelque part dans des Hébreux qu'il a amené des captifs, qu'il a fait des tombes. Qu'il a emmené des captifs. D'abord, il est descendu dans la région inférieure pour libérer les captifs et les a emmenés. Il a fait des dons à l'église. Alléluia. On a parlé des dons d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Voilà. La question que je veux vous poser, c'est dites-nous, homme de Dieu, pourquoi le Seigneur a-t-il donné ce ministère, est-ce que c'est aussi important? Est-ce que son œuvre n'était pas achevée? Alléluia, amen. Gloire à Jésus. Peu de Dieu, que le Seigneur vous bénisse puissamment. Vraiment, nous rendons grâce au Seigneur Jésus pour l'opportunité qu'il nous accorde de partager ensemble sa parole. Et nous croyons, nous avons la ferme assurance que plusieurs seront édifiés et témoigneront de la grâce et de la connaissance de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, dans le sujet du ministère, et aussi de ce qui a poussé Jésus-Christ à instituer, à donner des dons à l'Église. Ce sujet vraiment est très important. Alors, si nous voulons aborder ce sujet, nous devons comprendre d'abord qui est le Seigneur Jésus-Christ dans le sens où nous abordons le côté des dons. Pourquoi je dis comme ça? Parce que Jésus-Christ est lui-même le don de Dieu pour l'univers, le don de Dieu pour le monde, le don de Dieu pour les âmes perdues. Et quand nous lisons bien le livre de 1 Jean, la Bible dit que l'amour a été donné pour nous. Donc l'amour est un don. Et dans Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui veut dire que le Fils de Dieu est le don de Dieu pour l'humanité.
Donc, le Fils de Dieu qui est le don de Dieu pour l'humanité est en même temps un don à cinq volets, ou bien à cinq aspects. Le don de Dieu est le don apostolique, le don prophétique, le don évangélique, le don pastoral et le don doctoral ou doctrinal. Gloire à Jésus. Amen. Ce qui veut dire que Jésus-Christ, qui est le don de Dieu, est en même temps apôtre, en même temps prophète, en même temps évangéliste, en même temps pasteur et en même temps docteur. Ce qui veut dire que c'est un seul don qui en réalité a cinq aspects différents. Alors, Jésus-Christ, nous voyons son parcours sur la terre. Jésus-Christ a joué le rôle d'apôtre, il a joué le rôle de prophète, il a joué le rôle d'évangéliste, le rôle de pasteur, le rôle de docteur. Et vers la fin de son ministère, déjà, il y a eu sa crucifixion. Et après sa crucifixion, son esprit est monté dans les lieux élevés pour pouvoir valider l'expiation. Mais son âme est allée dans le séjour des morts pour aller prendre, ouvrir le portail pour libérer les captifs, tous ceux qui étaient morts sous la loi depuis des générations, afin que tous soient sauvés selon la justice de Dieu. Alors, la Bible dit dans Éphésiens 4, verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut. Éphésiens 4, 8. Étant monté en haut, il a emmené des captifs et a fait des dons aux hommes. Et dans le verset 7, on dit, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est-à-dire, le don de Christ est une portion qui a été attribuée à des personnes qui étaient captives dans le séjour des morts. Donc, Jésus-Christ, en réalité, est un don, mais qui a été rendu captif dans le séjour des morts pour être retiré et prendre des captifs qui sont dans le séjour des morts, les emmener avec lui et en faire des dons. Ce qui veut dire quoi? Tout ce qui était dans l'esclavage, tout ce qui était dans le monde et qui croit en Jésus-Christ peut être donné au royaume de Dieu, comme, non pas comme des instruments, des simples instruments, mais pas qui Dieu peut utiliser et passer pour communiquer son message, mais comme des dons à la statue parfaite ou à la mesure du don de Christ. Ce qui veut dire que, de même que Jésus est apôtre, Jésus a nommé ou bien a pris des hommes qui étaient sous la captivité de l'ennemi dans le monde ou dans le ciel des morts pour donner au corps de Christ, donner à l'église comme apôtre. Jésus apôtre, il prend des hommes qui n'étaient rien, qui étaient esclaves de l'ennemi pour faire d'eux des apôtres. Donc pourquoi il le fait? D'abord, c'est parce qu'il est la tête du corps de Christ. Et quand nous lisons Matthieu 16, il a d'abord dit à Pierre, tu es cette pierre, c'est sur cette pierre que j'établirai, j'ai bâti mon église. Ce qui veut dire qu'il a déjà annoncé quelque chose qui va perpétuer l'œuvre qu'il a déjà commencé et qu'il a effectué à la croix. Donc il donne des dons à l'église pour que des personnes qui n'étaient rien, qui étaient captives, soient deviennent, soient transformés par lui et travaillent au Père à la même mesure que lui pendant qu'il était sur terre. C'est-à-dire, l'œuvre de Christ sur la terre doit être perpétuée. L'œuvre ne peut pas s'arrêter à la croix, ni à la résurrection, ni à l'enlèvement de Jésus, mais l'œuvre doit continuer. Et comment cette œuvre doit continuer? C'est par l'Église. L'Église qui est le royaume de Dieu sur la terre. L'Église qui est le corps du Christ. Vous voyez? Donc, de la même manière que Jésus a qui institué l'Église et a donné les clés de l'Église et du royaume à Pierre, de la même manière que Jésus-Christ est la tête de cette Église et qui donne la clé à Pierre, cela veut dire que Dieu a institué l'édifice de l'Église. A formé le corps. Il est la fondation. Il est aussi le plafond, le sommet de l'Église. Il est en même temps les pieds du corps et la tête du corps. Les différents membres du corps. Donc, dans le corps, il y a la tête
il y a tous les autres membres. Ça que tout le corps maintenant. Voilà. Alléluia. Donc l'église, je peux mettre moi. Je vous arrête pas parce que, en fait, la question reste toujours là. C'est-à-dire, pourquoi Jésus a-t-il donné les ministères? Vous êtes parti dans la Genèse expliquer tout ça. Mais le Seigneur dit quelque chose. Il a dit quelque chose dans le livre des Actes. Actes 1er, du verset 5 jusqu'au verset 8. Dans les derniers échanges avec ses disciples, il va leur dire d'attendre. Alléluia. Or, c'est que pour nous, c'est que la mort de Christ avait déjà tout accompli. Puisque s'il dit que tout est accompli, alors pourquoi avoir encore œuvré, puisque tout est déjà accompli. C'est pourquoi je pose la question à quelque part. Il dit, mais ok, est-ce que l'œuvre de Christ n'était pas totalement achevée? Pourquoi il va encore donner le ministère? Voilà, donc je repose encore parce que je voudrais que la question soit beaucoup plus claire à l'entendement de nos chers et public qui nous suit en ce moment-là. Donc, je voudrais que vous le précisez ça réellement. Okay. En fait, dans mon développement, je l'ai déjà répondu, mais je vais encore clarifier comme vous l'avez voulu. Jésus, il a œuvré sur la terre. Et l'évangile qu'il a prêché était destiné d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Parce qu'il est venu comme un prophète en Israël. Mais l'évangile était confiné simplement en Israël. Mais depuis que l'Esprit est descendu, l'évangile a été répandu partout sur la terre. Donc, déjà vers la fin du ministère de Jésus, il savait que s'il n'organisait pas son royaume sur la terre avant de partir, ou bien s'il n'attribuait pas les fonctionnalités ou la mission de son royaume sur terre avant de partir, l'œuvre qu'il a effectuée sur la terre serait vaine, serait une œuvre vaine. C'est pourquoi il va dire à Pierre, c'est là que j'étais. Pendant que vous m'aviez interpellé, c'est là qu'il va dire à Pierre que voici, sur toi, je bâtirai mon église. Donc l'église, en réalité, est la continuité de l'œuvre effectuée par Jésus à la croix. Sans l'église, c'est comme Jésus a œuvré en vain. Donc pour que l'œuvre ne soit pas vaine, le Seigneur va donner le Saint-Esprit au jour de Pentecôte pour que l'évangile soit répandu, mais pour que l'évangile soit maintenu par des piliers, pas des fondations, pas des colonnes et pas des sommets, pas tous les compartiments d'un bâtiment. Il faut la constitution ou la construction de l'Église comme un corps du Christ sur la terre et aussi comme un édifice. Afin que, de la même manière que Jésus, afin que c'est-à-dire cette représentation de l'œuvre de Dieu sur la terre en cette dispensation de la grâce puisse manifester l'œuvre que Jésus a accomplie sur terre. Donc l'Église, en réalité, les dons ont été donnés pour que l'Église qui représente l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus sur la terre, puisse être structurée selon le modèle que Jésus est venu révéler pendant sa venue sur terre. Cela veut dire quoi? Les dons ont été donnés pour que l'Église puisse avoir une tête. Et la tête, c'est Jésus. Colossiens l'a dit dans le verset Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est la tête du corps de Christ. Alors, quelle est la représentation de ce corps, de cette tête? C'est en réalité le saint ministère qui forme Jésus. Donc voilà pourquoi les dons ont été donnés. Les dons de ministère pour que l'autorité de Christ, qu'il exerce sur la terre comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, puisse continuer dans la dispensation du Saint-Esprit, sachant même que Jésus n'est plus sur terre physiquement. Il a répandu son esprit, mais le même modèle qui était dans la loi pendant qu'il était sur terre, que ce modèle continue sous une autre forme, afin que l'Église soit organisée. Donc, voilà pourquoi les dons étaient donnés, pour que la tête, d'abord les dons du ministère, pour que l'on voit Jésus en œuvre en tant qu'apôtre, dans des personnes qui étaient captives, mais qui sont affranchies, emportées du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Gloire à Jésus. Amen. Je ne sais pas si Pasteur Apollos a quelque chose. D'accord. Sinon, le docteur a déjà orienté sa question, sa réponse. Et je vais ajouter avec le verset 12. Le verset 12 et le verset 13 du même chapitre de Éphésiens 4. Éphésiens 4, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ici, il s'agit du ministère de Christ. Nous sommes tous dans le ministère de Christ. Hier, dans la première partie, on a compris que dans le livre des Hébreux 3 et aussi dans 1 Corinthiens 3 ou 8, on a compris que nous sommes désormais dans un nouveau ministère qui est la nouvelle alliance. Donc il s'agit de ce ministère qui en réalité est toujours manifesté, mais autrement. Ce n'est plus le Christ selon la chair qui travaille, mais c'est le Christ esprit qui habite dans son église, mais qui est représenté par ses saints dons, autorités qu'il a placées dans l'église. Il dit, pour le perfectionnement des saints, voilà quelques rôles importants que l'apôtre Paul a mentionné. Donc ces saints ministères, ces saints dons viennent pour perfectionner les saints, pour perfectionner les enfants de Dieu. Jésus disait, j'ai encore beaucoup de choses dans Jean 16 à vous dire, à vous annoncer, mais vous ne pourrez les porter maintenant. Donc lorsque l'Esprit de vérité, le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Or nous savons que la vérité, lorsque nous la connaîtrons, elle nous affranchira. Et c'est cette vérité en réalité qui perfectionnera l'Église. Donc, tous les saints ministères vont travailler par la vérité, mais auront pour fondement le Saint-Esprit. Amen. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous, même y compris ces saints ministères, eux aussi sont dedans, parce qu'ils ne le font pas par leur propre intelligence, mais ce n'est pas l'Esprit, poussé par le Saint-Esprit qui le font. Donc eux-mêmes, ils en bénéficient du don de Christ. Il dit, afin que nous soyons, nous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, leur but, c'est de former les enfants de Dieu pour être comme le Christ lorsqu'il avait marché sur la terre. Donc, l'Église, avec ses saints ministères, travaille pour que tous les enfants de Dieu puissent ressembler à Jésus selon sa personne lorsqu'il était venu ici sur la terre. Afin que nous soyons, ne soyons plus flottants, ne soyons plus enfants et emportés à tout vent de doctrine par la compagnie des hommes, par la ruse, dans les moyens de séduction. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc, en réalité, tous ces éléments que ces ministères vont nous apporter vont en réalité vont perfectionner notre foi et vont nous rendre beaucoup plus matures pour que nous ne soyons plus flottants. Telle doctrine sort aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont flottants, telle prophétie sort aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui sont tellement naïfs, qui ne comprennent rien. Mais lorsque nous avons la grâce de ces saints ministères, que les saints ministères jouent effectivement leur rôle, réellement selon la mesure que Christ a donnée à chacun, l'Église sera tellement heureuse. L'Église aura bénéficier réellement du Christ. Et c'est là on voit même comme si Jésus était lui-même là dans son église, conduisant son église. Amen. Donc c'est ça la Amen. Nécessité Amen. Des ministères. Ok, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. Bon, la question c'est pourquoi le Christ a donné les dons. C'était important parce que si on ne connaît pas pourquoi les dons, les ministères ont été accordés, lorsqu'on va vouloir expliquer les ministères, on ne va pas comprendre le bien fondé. Et effectivement, les ministères ont été accordés selon l'homme de Dieu pour amener le corps à l'unité de la foi. C'est très important. Vous savez, quand Christ disait, tu es pierre sur laquelle je bâtirai mon église, s'il laissait comme ça, l'église sera désordonnée. Il y aura toutes sortes de foi, toutes sortes de désordres, doctrinaires, chacun va amener tout ça. Donc, pour éviter cela, lui-même, il a ordre, il a organisé, il a mis en place une structure qui est définie là. Et cette structure a pour rôle d'encadrer tout cela, en fait, qui vont croire en lui et les maintenir dans la foi jusqu'à ce qu'ils atteignent ce qu'on appelle la perfection. Alléluia. Donc, leur rôle, c'est d'abord ça, c'est de pouvoir édifier, et de pouvoir équiper aussi le corps, dont les dons sont là en réalité pour équiper. Vous savez, lorsque nous avons commencé par attaquer un ministère, son rôle, c'est de pouvoir conduire à la perfection, son rôle, c'est de pouvoir conduire quoi? À l'équipement du corps, son rôle, de faire quoi? D'amener à l'unité de la foi, parce que Christ n'est pas divisé, la Bible dit quoi? Il y a un seul, en gros, nous on dit quoi? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Donc, toute la foi doit être conduite à ça. Alléluia. Amen. Donc les ministères sont donnés pour ça. Alors, la question qui suit, c'est puisque nous connaissons maintenant pourquoi notre Seigneur Jésus a donné les dons de ministère à l'Église, alors nous allons chercher maintenant à comprendre ce que c'est que le ministère lui-même. Pourquoi? Parce que
à tort ou à travers, le mot ministère est mal compris, même de ceux qui sont appelés. Je ne dis pas de ceux qui sont appelés authentiquement. Ceux qui sont appelés authentiquement à ce ministère-là, en réalité, ne comprennent, ne saisissent pas réellement la fonction ou bien le rôle attendu. Amen. Pour certains, c'est comme si c'est un titre honorifique. Quand on dit, bon, tu sais, tu t'appelles en tant que peut-être prophète, en tant que peut-être pasteur, pour certains, c'est comme un honneur, titre d'honneur. Et ils se mettent sous cette couverture d'honneur. Malheureusement, et ils perdent les brebis. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre bibliquement, selon la parole de Dieu, ce que c'est que le ministère. Alléluia. Le ministère. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est que le ministère? Le ministère. Alors, Jésus. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore. En tout cas, merci pour ces genre de questions que vous nous apportez. Ces questions, avec leurs réponses qui sont appropriées, vont nous aider, nous et aussi le peuple de Dieu, à comprendre les choses. Quand on parle du ministère, on voit directement l'exercice d'une fonction. Et une fonction spécialisée. Donc, un ministère porte un rôle ou bien une fonction, une charge de mission. C'est comme on envoie quelqu'un en mission pour exercer une fonction ou exercer un rôle en faveur de certaines personnes qui vont en bénéficier de sa grâce, de la grâce qui est subie, ou qui vont bénéficier de la carrure de son ministère. Donc quand on parle du ministère, c'est une fonction que nous exerçons, et la parole de Dieu nous l'a dit, il fait de nous, faisant de nous des fonctions d'ambassadeurs, comme si Dieu exhortait par nous. C'est-à-dire Dieu exhortait le monde par nous. Donc cette fonction est spécifique selon le rôle que Dieu donne à chacun dans l'Église. Donc nous entendons d'abord par ministère un rôle, une fonction, une charge de mission ou bien un contenu de mission qui doit être déroulé dans l'exercice de la fonction de celui à qui est attribué cette fonction ou bien ce ministère. Et quand nous venons dans le cadre de l'Église, nous venons de citer ces ministères majeurs qui sont les cinq ministères. Ces ministères, en réalité, ont pour rôle de déchiffrer la fonction que Dieu leur a attribué chacun. Le pasteur a son ministère que Dieu lui a attribué. L'apôtre aussi a le contenu de sa mission et de son ministère qui est différent du ministère du pasteur. Et tous les autres ministères que nous venons de citer dans Éphésiens 4, 11 ont leur ministère totalement distinct et différent. Mais le but, c'est Christ. Le but, c'est de former Christ. Donc le ministère ici a pour but de rassembler toutes les informations nécessaires pour que le croyant puisse être édifié, être enseigné, être formé. Quand on parle aussi de ministère, on parle d'une formation. Et ici, notre formation, c'est que Christ soit formé. Amen. Dans tous les cœurs. Amen. Et dans toutes les vies. Donc c'est ce que je veux dire. Amen. Gloire à Jésus, je vais rapidement briefer ceci. Vous savez, on va démystifier ce thème ministère, parce que quand on dit ministère, celui qui a à ce ministère est appelé ministre. Exactement. Alléluia. Ministre de Dieu, dans le commun, dans le langage commun, c'est que c'est quelqu'un d'honneur. Voilà, c'est une grande autorité, comme les ministres du monde. Alléluia. Même les ministres du monde aussi ont quelque chose qu'à un moment donné, mais ils sont obligés de rendre compte. Alléluia. Lorsque nous parlons de ministère, le mot ministère même, quand nous prenons même la Bible, même de la traduction grecque, le mot ministère vient du mot grec diakonia. Alléluia. Diakonia veut dire servir. Amen. Donc, quand on dit ministère, en même temps, on voit service. C'est pourquoi Jésus va le dire. Lui, en tant que le chef, en tant que l'autorité, va le dire le jour où il devait être livré la veille. Il va appeler ses siens, les apôtres et tout ça là. Il va se mettre à leur laver les pieds. Amen. Il va laver les pieds à chacun. Il va dire, est-ce que vous savez ce que nous allons faire? Alléluia. En réalité, moi le maître, vous m'appelez maître, je suis d'accord, je le suis effectivement. Mais ce que je vous fais, en réalité, je suis à votre service. Je vous sais en réalité. Donc, je voudrais que vous soyez au service des autres.
Alléluia. Donc celui qui va se considérer grand là, qu'il soit quoi? Au service. Donc le plus grand doit faire quoi? Doit servir. Donc l'autorité de ministère qu'on dit, oh, c'est une... en réalité, c'est une charge pour dire on doit servir. Les ministres du monde servent les pays. Ils sont à la charge des pays, ils servent le pays. Donc quand nous disons ministère, alléluia, peuple de Dieu, en fait c'est une charge, une responsabilité. Amen. C'est une charge que le Seigneur confie à quelqu'un. Et cette personne doit rendre compte de la tâche. Amen. Il ne s'agit pas d'une position que le Seigneur accorde à quelqu'un. C'est parce que bon, peut-être tu es errant, tu es pauvre, bien, tu es un chômeur, que le Seigneur t'appelle pour dire, ok, moi je t'appelle en tant que prophète. Tu prends le ministère prophète ou bien l'appel pour l'appel du prophète comme un titre d'honneur. Oh, tu te trompes. Alléluia. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est comme si je dis, ok, on prend l'exemple comme les mécaniciens. On dit mécanicien. Okay. Quand on dit mécanicien, c'est un titre. N'est-ce pas une charge? N'est-ce pas un métier? N'est-ce pas une fonction qu'on voit? C'est en quelque sorte quelque chose du genre. Amen. Donc, quand nous parlons de ministère, nous allons rapidement dans le Romains 12. Romains 12 qui va nous aider rapidement. Romains 12, il faut comprendre un peu ce que c'est que le ministère. Alléluia. Romains 12. À partir du verset 3. À partir du verset 3. Il dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Alléluia, ministre de Dieu, écoute bien. Mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, tout à l'heure, nous devons parler de ça, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Alléluia. Même fonction, dit que même ministère, c'est encore une manière de parler de ministère ici. Amen. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, les est selon la nature de la foi, celui qui est appelé au ministère, s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alléluia. En réalité, le Seigneur nous a appelé à quoi? À la fidélité à la charge. Donc, le ministère en requiert quoi? La fidélité. Alléluia. Donc, ça veut dire que celui qui est appelé à exercer le ministère du Christ, première des choses, il doit faire preuve de quoi? De la fidélité. La fidélité. Vous nous rappelez cette histoire de Matthieu 25. Quand le Seigneur avait confié des talents à des ouvriers et qui devaient travailler ces talents. Certains travaillaient, d'autres sont venus avec le même talent. Ils n'ont rien apporté. Amen. Ça veut dire que à ce niveau-là, il y a manqué quelque chose. Donc, le Seigneur, en réalité, ce qu'il nous dit, c'est que nous devons montrer la fidélité dans le service. Deuxième chose, le don de soi. Alléluia. C'est l'institution de parler un peu des éléments, pour identifier le ministère. Lorsqu'on parle de ministère, un ministère de l'Église, un ministère de Christ, ce ministère doit contenir ces caractères-là. C'est ça les caractères, la fidélité. Deuxième caractère, le don de soi. Alléluia. Parce que être appelé au ministère, c'est servir, être au service du peuple. Même Paul a parlé quelque chose dans Timothée, c'est quelque chose. Il parle de le lavement des pieds. Vous voyez? C'est aussi le ministère. C'est un don de soi. Donc, celui qui a appelé le ministère doit appeler à se sacrifier aux autres. C'est ça en fait. Et non, les autres se sacrifient pour lui. Ça, c'est la mentalité que les ministres doivent comprendre. Ceux qui sont appelés au ministère doivent savoir que, attention, la mentalité que j'ai du ministère en réalité, elle est erronée. Le Seigneur m'a appelé en réalité à faire le don de soi. Pendant que le peuple, pendant que tout le monde est en train de dormir, moi, en tant que ministre, je ne dors pas. J'ai un dessein pour chacun. C'est ça le don de soi. C'est ce que le Seigneur a fait à la croix. Et s'est donné lui-même. Pendant que ses disciples dormaient, la Bible dit quoi dans Matthieu, verset 35, qui disait quoi? Il se levait très tôt le matin pour prier, préparer la journée. C'est ça le ministre. Alléluia. Autre élément, c'est ceci. Il y en a plein. Les hommes devront apporter cet élément. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'intégrité, l'honnêteté. C'est très important. C'est très important. Quand le Seigneur avait appelé Abraham, il va lui dire quoi? Marche devant moi, sois intègre. Abraham est l'image même de ministre, puisque c'est par lui que le Seigneur a vraiment réellement commencé tout son plan de rédemption avec l'humanité. Donc, le ministère requiert l'intégrité, l'honnêteté. Alléluia. La loyauté. On en a parlé tout à l'heure un peu. Un ministre qui est appelé à un ministère doit faire preuve
d'honnêteté. Aujourd'hui, on pense que, bon, comment on dit, bon, je suis ministre, on se permet de s'attribuer certaines prérogatives pour pouvoir dominer sur le peuple. Bien aimé, si c'est ton cas, tu dois te repentir. Jésus ne sait pas, n'a pas dominé le peuple. Au contraire, qui s'est fait quoi? Qui s'est dépouillé lui-même de sa gloire, de son honneur. Lui qui était quoi? Riche, il s'est fait pauvre. C'est ça un ministre. Donc un ministère, en réalité, celui qui a pris au poste de ministère, doit se dépouiller lui-même pour se mettre au service des autres. Ministre, tu as combien? Ah, l'autre n'a pas. Je donne, c'est ça. Le don de soi aussi. Alléluia. Donc, il y a tellement des éléments qui rentrent dans le cadre de ministère. C'est très important. Donc, nous voulons maintenant de clarifier un peu le concept ministère. L'homme de Dieu devenu va ajouter quelque chose. Oui, allez-y, homme de Dieu. Alléluia. Amen. Je salue tout le peuple de Dieu qui suivent. Et c'est dans le cadre de l'homme. Et effectivement, les serviteurs ont déjà beaucoup clarifié ce que c'est que le ministère. Et ce que moi je veux juste ajouter, c'est que effectivement, beaucoup sont autoproclamés selon le titre qui leur vient dans la tête, et ils ne connaissent pas le contenu même de ce titre qui s'attribue. Et on voit que dans les faits, c'est pour dominer le peuple. Et même aujourd'hui, beaucoup ne veulent même plus utiliser les titres bibliques qui sont des charges, telles qu'on l'a dit, qui sont des missions, des services que le Seigneur accorde à X ou Y selon le don qu'il a mis en lui. Et beaucoup ne veulent même plus suivre cette ligne, mais ils vont chercher maintenant leur propre titre, et des titres lourds, voilà, des titres qui peuvent en influencer, des titres qui peuvent impressionner, des titres qui peuvent faire peur, comme révérend, voilà, révérend, et bishop, archibishop, et tout ça là, général, c'est que l'œuvre de Christ, hein, l'œuvre de Christ, c'est que ne transparaît pas dans ses ministères. On ne voit pas Christ. On ne voit pas Christ. Parce que, tel que l'apôtre Paul l'a dit, Christ a montré le bon exemple de ministre. Alléluia. Il s'est humilié. Le livre de Philippiens nous a donné le grand exemple. On va lire Philippiens 2. Alléluia. Donc, aujourd'hui, si nous nous disons que nous sommes ministres et nous sommes à l'image de qui? Nous devons être à l'image de qui? Nous devons être à l'image de Christ. Parce que l'élève ne peut pas être plus grand que son maître. Jamais. Mais aujourd'hui, les élèves sont devenus même le chef de leur maître dans le corps de Christ. Hein? C'est que on dirait des têtes couronnées dans le corps de Christ. Quand on parle aujourd'hui de prophètes, de docteurs en divinité, des révérends, vous allez voir des gens assis sur des trônes. Des gens assis sur des trônes, des rois assis sur des trônes, et des fidèles, des brebis que Christ a rachetés par son sang, en train de s'incliner, en train de les adorer, en train se prosterner devant ces gens-là. Est-ce que c'est l'image que Christ a donnée au ministère? Nous allons lire. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Voilà.
ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme... Regardez! C'est que c'est Jésus, quand on parle de Jésus, c'est Dieu qui a pris chair, qui est venu sur la terre. Donc, c'est Dieu en forme humaine. Vous voyez? Donc, sous cette forme, Jésus pouvait montrer toute la royauté qui lui est due. Il pouvait exercer sa royauté parce qu'il est roi. Alléluia. Il pouvait se faire adorer. Même pour marcher, c'est qu'il peut même demander qu'on le mette dans un trône qu'on va soulever. Dans le cortège. Et il n'y a pas quelqu'un qui va le lui reprocher parce qu'il est roi. Alléluia. Mais il n'a pas fait ça. Malgré qu'il est roi, malgré qu'il est Dieu, mais étant dans la chair, il ne veut pas la gloire de la chair. Alléluia. Il n'a pas besoin de la gloire de la chair. Parce que ce qui est né de chair, c'est chair. Est chair. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, lui, il veut la gloire spirituelle. Et c'est cette gloire que nous devons désirer. Nous ne devons pas désirer la gloire périssable, charnelle. Donc Jésus-Christ s'est complètement dépouillé de tout ce qui est honneur lié à son ministère. Amen. Alléluia. Lui seul, il a tous les ministères en lui. Alléluia. Il est en même temps un grand, le grand évangéliste de tout. De tous les temps. C'est le modèle serviteur. C'est le modèle serviteur. Il est en même temps le grand apôtre de tous les temps. Il est en même temps le grand prophète de tous les temps. Il est en même temps le grand docteur de tous les temps. Et il est en même temps le grand pasteur, le bon berger de tous les temps. Donc il y a tous ces ministères, toutes ces charges qui sont en lui. Donc ça suffit pour que il se montre un roi comme ça se voit aujourd'hui. Les gens n'ont même pas un millimètre près de l'onction que Jésus-Christ a déployé, mais ils se font déjà rois parce que ils font des miracles. Or la Bible nous demande ici d'être à l'image de Christ. Et n'a point regardé comme une proie à arracher. Voilà. Le fait qu'il est Dieu, mais qui a pris chair pour venir sur la terre, il n'a pas fait de cela une proie. Il n'a pas, c'est qu'il n'a pas exploité cette identité qui est en lui. Il n'a pas exploité ça. L'identité divine qui est en lui là, il n'a pas exploité ça. Mais il s'est dépouillé de cela pour paraître comme un simple homme, simple serviteur, pour nous montrer le bon exemple que nous devons être. Être serviteur, être ministre, c'est d'abord être serviteur. Que le plus grand, il dit que le plus grand parmi vous est, se prend comme le plus petit. Alléluia. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Forme de serviteur. Donc, si le Seigneur t'a accordé une charge ministérielle, il faut savoir que c'est un serviteur. C'est pas un titre de gloire. C'est pas un sujet d'honneur. C'est pas un sujet de je ne sais quoi. C'est pas un sujet de royauté. Mais c'est un sujet de service. C'est un sujet d'humilité. Alléluia. En devenant semblable aux hommes. Semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Simple homme. Il s'est humilié lui-même. Humilié. Regardez, quelqu'un qui a les 5 dons ministériels. Certainement même qu'il y en a même plus que ça. Mais il a donné l'essentiel qu'il faut pour l'éducation de son église. C'est pourquoi je sais qu'il y a plus de 5 dons. Alléluia. Mais comme il a fait les 5 doigts,
il sait que les cinq suffiront pour que son église soit édifiée, soit solide. Alléluia. Mais tout cela est en lui. Mais il n'a pas regardé ça pour se glorifier, pour se gonfler comme nous voyons aujourd'hui. Mais il s'est humilié. Il s'humilie. Alléluia. Regardez Jésus-Christ en train de laver le pied de ses disciples. Alors que c'est lui le chef. Donc il doit être sur son trône. Et c'est les ses disciples qui doivent lui laver les pieds. Est-ce que nous avons ce modèle-là? Est-ce que nous voulons être ce modèle? Est-ce que nous voulons réellement être à l'image de Christ? Ou bien nous voulons créer notre propre image? Et dit que nous sommes ministres. Point d'interrogation. Finissons. Se rendant obéissant. Obéissant. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. Jésus-Christ nous a montré réellement ce que c'est que être un ministre. Ce que c'est que le ministère. Ce que c'est que être au service de Dieu. C'est l'obéissance, l'humilité qui doit caractériser tous les ministres. Quelle que soit l'onction qui opère. Parce que l'apôtre Paul dit, qu'avez-vous que vous n'avez pas reçu? Alléluia. Si Christ opère en quelqu'un, est-ce que c'est la personne qui opère? Non, c'est Christ. Mais c'est Christ qui opère en la personne. Tu tends la main, la personne reçoit la guérison, tu te dis que, ah, donc il y a une force en moi. Mais est-ce que c'est toi la force? Alléluia. C'est pas toi la force, c'est une grâce. Donc, c'est celui qui t'a donné la force, c'est celui qui a la force en toi. C'est à lui que tu dois rendre tout l'honneur, amen, toute la gloire. Amen. Et non, te lever, tu dois t'humilier. Aujourd'hui, quand vous voyez des ministres, des serviteurs sur des trônes royaux, sur trône royal, c'est qu'on se demande, Christ, si Christ devait s'asseoir, lui, il va s'asseoir où? C'est vrai, il ne va pas s'asseoir sur un fauteuil fabriqué par la main humaine. C'est pour ça que, quand et au cours de son ministère, il n'a pas eu droit à ça, il n'a pas cherché cette gloire-là. Mais aujourd'hui, vous allez voir des gens assis et des brebis vont prendre des choses là et essuyer leurs chaussures. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Quelle onction? Peuple de Dieu, le Seigneur, par cet aron, veut enseigner ce que c'est réellement que le ministère. Être au service de Christ. Ce que tu dois être, ce que tu dois montrer, ce que tu dois vraiment refléter. Pour qu'on sache que c'est Christ qui opère en toi et non toi-même. Alléluia. Amen. Donc voilà le petit apport que j'ai fait. Amen. Alléluia. Nous avons vu, l'homme de Dieu a vraiment présenté un peu les rouages. Malheureusement que beaucoup de serviteurs, beaucoup de ministres de Dieu ignorent. Et le Seigneur veut ramener chacun sur les anciens sentiers. Amen. Et je pense que l'homme de Dieu, docteur, ça voudrait. Tu veux corroborer tout ce qui a été dit. Oui, c'est très important. Vous voyez, si on a pris le temps de démystifier, d'explorer en profondeur le concept ministère, c'est très important. Pour que ceux qu'on appelle ministres sachent en réalité ce qu'ils sont. Amen. Amen. Et ce qu'ils ne sont pas. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Vraiment, aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur te fait très grand. Le Seigneur te fait aujourd'hui très grand. Donc, moi, je veux juste confirmer avec quelques détails le ministère. Donc, je veux juste exposer les étapes qui mènent à l'aboutissement d'un ministère. Les étapes qui mènent à l'aboutissement d'un ministère. C'est ça, les étapes. Voilà. Les étapes qui mènent à l'aboutissement d'un ministère. Déjà, vous avez défini le ministère.
Néanmoins, ce qui fait en sorte que beaucoup se disent être ministres, mais ne jouent pas réellement leur rôle de ministre, c'est qu'ils ignorent les étapes qui mènent à l'aboutissement de leur ministère ou qu'ils ont reçu la grâce de les connaître, mais par négligence, n'opèrent pas dans le domaine de fonctionnalité de leur ministère. Donc, si tu as un ministère, ou mais si tu aspires, ou si tu es un membre du corps de Christ, appelé ministre, tu dois connaître ces choses. Première étape qui mène au ministère. Tu ne peux pas être ministre sans avoir reçu l'appel. La Bible parle de l'appel, même si nous avons été prédestinés à être en Christ. Ce que Dieu a destiné pour nous, nous devons recevoir d'abord un appel. Donc tous, nous tous qui sommes ici rassemblés, qui sommes des ministres, c'est parce que nous avons reçu l'appel. Personne n'est ici s'il n'a reçu un appel venant de Dieu. Cela veut dire que si tu n'as pas reçu au préalable l'appel authentique de Dieu et que tu te mets ou tu te plonges dans le ministère, tu vas dérailler. C'est la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui le désordre des gens qui ne sont pas appelés à être ministres. Qui sont autoproclamés. Voilà, ils se sont autoproclamés ministres. Et c'est là, tout cela, en réalité, ils sont désordonnés. C'est les personnes, ils ne produisent pas de fruits. Parce que le Saint-Esprit n'accompagne pas le ministère. Si tu es réellement un vrai appelé au ministère d'autorité, le Saint-Esprit confirme ton appel par des signes, par des saluts, des conversions, des restaurations. Beaucoup, ceux qui te suivent, ton auditoire est convaincu par toi. Les gens sentent que voilà ça c'est l'appel authentique de Dieu. Donc plusieurs se sont aventuriés comme dans un film d'aventure ou un film d'action dans le ministère. Et beaucoup de ceux-là rétrogradent quand les difficultés arrivent, quand les problèmes arrivent, parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu la certification du Saint-Esprit qu'ils sont vraiment appelés de Dieu. Donc il y a beaucoup de signes qui te montrent que nous sommes des appelés de Dieu. Le Saint-Esprit peut te parler audiblement ou il peut utiliser des personnes pour révéler ton ministère ou soit dans la prière, dans la révélation ou bien tu sens une force que Dieu te communique d'opérer une œuvre en faveur de son Église. Amen. Je veux aborder le deuxième point vite, la vocation. Quand il y a appel, il y a vocation. La vocation, après avoir reçu l'appel, Dieu nous oriente dans la vocation. La vocation, c'est le couloir. Imagine, on appelle quelqu'un à œuvrer. Quand on t'appelle, tu dois connaître la vocation de ton appel. La vocation, c'est quoi? La couleur de l'appel. Je suis appelé, oui. Je suis serviteur, mais c'est vite. Appelé à quoi? Appelé à être prophète, appelé à être docteur, appelé à être évangéliste, à être etc. C'est ça la vocation, le couloir. Ou encore, le domaine de prédilection, ou bien le domaine de définition de ton ministère. Donc, si je suis appelé par Dieu, je dois connaître ce pourquoi il m'appelle. Même si je ne connais pas, sitôt, tôt ou tard, le Saint-Esprit qui m'a appelé me révélera ce pourquoi il m'a appelé. Donc, après la vocation, il y a l'onction. Quand tu reconnais ton ministère, ça c'est la vocation te permet de connaître ton ministère. Tu es appelé, oui. Tu es appelé depuis le fond de ta mère. Mais la vocation te permet de dire, voilà ton couloir, voilà le domaine dans lequel tu dois travailler. Maintenant, si tu reconnais ton ministère, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut te cacher dans un lieu secret, ou bien on appelle souvent le lieu retirer. Voilà, et c'est là où on reçoit l'onction. Parce que si tu as la vocation, tu dois avoir l'onction. Parce que sans l'onction, tu ne peux pas le faire. Cette notion, beaucoup sont allés récupérer cette notion dans les écoles théologiques, dans les formations, tout ça. Or, en réalité, l'onction même est ce que Dieu te donne directement. C'est la grâce de Dieu, l'onction. Quand tu es appelé au ministère, Dieu te l'accorde gratuitement. Il met ça en toi pour certifier que, voilà, tu es un vrai appelé de Dieu. Tu as reçu une vocation excellente. Et tu dois avoir la capacité d'exercer la mission pour laquelle tu as été appelé. En réalité, l'onction, c'est que ce que Dieu te donne, toi, gratuitement, pour te permettre d'exercer ton ministère. Et, mais il y a aussi le sacrifice aussi. Alléluia. Maintenant, après ça, quand tu reçois l'onction, c'est quoi? C'est comme un lourd fardeau.
L'onction, c'est la grâce de Dieu. Mais quand tu reçois, c'est comme tu reçois un fardeau qui vient de Dieu. Quand on voit dans la loi de Moïse, les sacrificateurs, il y avait des flous fardeaux, comme des éphodes sur leur épaule. On appelle ça le symbole de la domination. C'est pourquoi quand vous lisez la feuille de route de Jésus, dans Esaïe 9, verset 5, on dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Donc, cette domination, c'est-à-dire la charge que l'on reçoit pour le ministère auquel nous sommes appelés, venant de Dieu. Quand Dieu te remplit de cette onction, c'est maintenant que tu dis, ouais, j'ai la charge, j'ai été appelé. Si tu n'es pas rempli, c'est pourquoi nous devons chercher, demander à Dieu, maintenant Seigneur, si tu m'as appelé, pourquoi m'as-tu appelé? Où tu m'amènes dans ce ministère? Que ferai-je dans ce ministère? Alors le Seigneur te charge de te donner ce que tu dois avoir pour l'exercer. Donc quand on reçoit l'onction, l'onction nous donne la charge du ministère. Et quand on reçoit cette charge, c'est comme un fardeau, comme je l'ai dit, vous voyez, ça parlait de sacrifice, service, devenir un simple serviteur, se sacrifier pour les autres, se donner soi-même pour les autres, sans motif d'intérêt. Alléluia. Maintenant, après que l'on reçoit la charge de l'onction, cette charge nous dresse une mission, c'est-à-dire une feuille de route. Maintenant que j'ai la charge d'aller exercer le ministère pour lequel le Seigneur m'a appelé, en même temps, je commence à recevoir une feuille de route sur laquelle c'est comme un tableau de bord des objectifs, des buts à atteindre, sur lequel est mentionnée la mission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur commence à définir la mission de ton ministère. Donc voilà tous les compartiments. Je vais lire juste deux versets et nous allons continuer. Alléluia. 1 Timothée 3:13. 1 Timothée 3, le verset 13. Quand le Seigneur t'investit de tous ces 5 éléments, l'appel, la vocation, l'onction, la charge, la mission, qui est encore appelée la feuille de route, en réalité, c'est pour t'amener à un rang spirituel. Oui, l'évangéliste nous a expliqué clairement que ce n'est pas un titre honorifique que nous cherchons en nous mettant dans le ministère. Mais quand nous nous humilions et nous acceptons sacrifier notre vie, être brisé par Dieu pour le servir, c'est par là que le Seigneur lui-même se charge de nous donner des grades spirituels dans le monde spirituel, sans même que nous-mêmes travaillons, on ne sait même pas ce qui se passe. Donc en réalité, nous qui sommes là spirituellement, nous sommes élevés spirituellement. Le Seigneur, physiquement aux yeux des hommes, nous sommes des personnes modestes. C'est pour ça que Jésus nous a donné le pouvoir de marcher. Alléluia! Gloire à Jésus! Donc la gloire qui est dans le ministère est spirituelle. Alléluia! C'est pas Chanel, c'est spirituel. Spirituellement, le Seigneur fait de nous des dieux. Alléluia! Gloire à Jésus! 1 Timothée 3:13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, ça qui est un rang honorable, ça c'est spirituel. Et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Un dernier verset, 1 Pierre 4:11. Alléluia. 1 Pierre 4:11. Non, c'est pas. Jésus. Voilà. 1 Pierre 4:11. Je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un parle, c'est-à-dire si quelqu'un parle de la part de Dieu, ou bien qu'il prêche ou enseigne, que ce soit comme annonçant les oracles, les prophéties, les inspirations de Dieu, les déclarations, les révélations, tout ce qui concerne ce qui sort du ciel. Si quelqu'un le fait, s'il remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié. C'est Dieu qui doit être glorifié, pas le ministre. Dieu lui-même se charge de glorifier le ministre, mais pas pour sa gloire, mais il le cache même. Il est glorifié, mais Dieu le cache qu'il est glorifié, pour qu'il ne soit pas orgueilleux. Et on dit, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc c'est pour dire que les ministres qui ont aujourd'hui des 4 corps, hein, des 4 corps, et militaires, et armés, et tout ça, des ministres, voilà, qui marchent sur des tapis rouges, comme des présidents, tout ça là, c'est pas Christ. C'est pas Jésus-Christ.
Alléluia. C'est pas Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ, c'est pas Christ. C'est pas Christ, c'est leur propre gloire. C'est leur propre gloire. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit infiniment béni. Peuple de Dieu, vous avez compris, effectivement, le thème ministère est très très profond. Vous avez vu les apports, les développements des hommes de Dieu, les cris du cœur des uns et des autres à propos de ce concept ministère. Vous devez savoir, quand on parle de ministère, nous parlons de charge, nous parlons de responsabilité, nous parlons de mission. Amen. Amen. Et je t'invite, toi ma soeur, toi, mon frère, qui me suis en ce moment, et que dans ton église, ton pasteur, ton prophète ou bien je sais pas qui te conduit et qu'il est entouré de quatre corps et qui l'entoure partout, ma soeur, ce jeu là ne sert pas Christ, il se sert lui-même. Si c'est celle-là qui te garde toi-même, donc tu as intérêt vraiment à te ressaisir, à te repentir, à chercher l'église de la vérité, là où Christ est, parce que c'est Christ qui doit être glorifié. C'est ce que les hommes de Dieu disent, Christ doit être glorifié dans le ministère, c'est ça en fait, et non l'homme doit se glorifier dans le ministère. C'est Christ qui doit être glorifié. C'est pourquoi le Seigneur viendra pour révéler, pour glorifier Christ en nous, dans le monde. Alléluia. Donc ça, c'est un appel à la repentance pour quelqu'un. Fuyez les églises dans lesquelles les pasteurs sont entourés des quatre corps, on met tapis rouge. Ah, mais quelle abomination. Ministre, toi qui marches sur tapis rouge, tu dois te repentir. Si Christ pouvait marcher sur tapis rouge, tu ne seras jamais sauvé aujourd'hui. Alléluia. Sortez des églises où on est à des tapis rouges. Et c'est vous-même les fidèles qui le font. Alléluia. Répentez-vous. Répentez-vous. Ça, ce n'est pas Christ. Ce n'est pas l'église que Christ a donnée. Non. C'est l'église des hommes. Ça, c'est l'église, c'est l'église que les hommes ont bâti. Ce fondement n'est pas Christ. Ce fondement est la chair. Ou bien ce fondement elle est la richesse des hommes. Alléluia, répondons-nous, les temps sont finis. Gloire à Jésus, nous allons continuer toujours. Nous bénissons le Seigneur parce que le thème ministère vient d'être très compris. Nous avons vu effectivement les étapes vers le ministère. Amen. Alors, ce que nous voulons juste nuancer, c'est que quand on parle de ministre, c'est tout le monde en réalité qui est ministre. Alléluia. Amen. Tout le monde est ministre de Dieu. Comment? Parce qu'on a dit ministère, c'est quoi? Servi. C'est ça. Donc, nous sommes tous des serviteurs. Alléluia. Donc, un ministre, c'est un serviteur. Or, dans le corps de Christ, il y a les hommes, il y a les femmes. Donc, il y a les serviteurs, il y a les servants. Donc, tous sont appelés pour servir. Tout le monde est appelé à servir Dieu. Une fois que nous avons gagné, Christ nous a gagné, nous aussi, on doit gagner le monde pour Christ. C'est pourquoi il a dit, vous serez mes témoins. Amen. Donc un témoin c'est un serviteur, un témoin c'est un ministre. Alléluia. Donc il a donné une particularité. C'est pourquoi on parle de ministère d'autorité. Amen. Donc les ministères dont nous parlons aujourd'hui, c'est les ministères d'autorité en fait. Si on ne parle pas de ministère en général, c'est tout le monde dans le corps de Christ est ministre de Dieu. Amen. Mais ce que nous parlons des ministères d'autorité. Et un ministère particulier qui a un rôle dans la fondation de la foi. Amen. Gloire à Jésus. Alors, parmi les ministères, nous avons parlé de la Bible, nous a parlé dans Éphésiens 4, verset 11. Nous avons vu, on a parlé des ministères d'apôtres, des ministères de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Alors, mais il y a un ministère qui vraiment nous a attiré l'attention. Ce ministère aujourd'hui crée des controverses. C'est pourquoi depuis le début, depuis hier, nous cessons d'en parler. C'est le ministère du prophète. Ou bien le ministère prophétique. Amen. Alors nous allons comprendre aujourd'hui ce qui se cache derrière le ministère prophétique. Ou bien le ministère du prophète. Amen. Mais avant d'entrer dans l'explication approfondie du ministère prophétique et du ministère du prophète, j'aimerais réellement qu'on essaie de clarifier le thème prophète. Prophète. Alléluia. Parce que si nous ne comprenons pas réellement les contours de ce concept de thème prophète, alors lorsqu'on va vouloir expliquer le mystère du prophète, le mystère prophétique, on ne va pas trop comprendre. Amen. Or, lorsque nous allons expliquer, c'est sûr que dans vos interventions,
vous avez essayé de les dissocier pour que le peuple de Dieu soit réellement éclairé. Alors, quand qui parle de prophète, parle aussi de prophétie. Amen. Donc, vous allez essayer de nous présenter hein, en quelques. En des expressions élémentaires que tout le monde peut comprendre facilement ce que c'est que le prophète. C'est qui le prophète? Mais c'est quoi le prophète? Alléluia. On dit c'est qui le prophète, parfois on dit c'est quoi le prophète. Oui. C'est une voilà. Institution. Très bien, donc nous allons comprendre aujourd'hui. Pasteur Apollos, je ne sais pas si vous avez. Ou bien on passe la parole à quelqu'un d'autre d'avoir l'entendu. Non, je veux. Ok, donc Pasteur Apollos, dites-nous. C'est quoi le prophète selon vous? Alléluia. Amen. Le prophète. Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Amen. Voilà. Le prophète. Le prophète, la Bible nous a bien défini ce que c'est qu'un prophète. Quand nous voyons surtout dans l'ancienne alliance et comment Dieu a travaillé avec les anciens, nos patriarches, nous allons remarquer que Dieu, pour s'adresser à son peuple, il passait par un canal et ce canal est appelé prophète. Donc le prophète a une mission spéciale. Cette mission, c'est de recueillir les informations spirituelles qui descendent depuis le trône de Dieu et de les faire passer maintenant dans notre monde, c'est-à-dire les prendre du spirituel et les annoncer aux hommes. Donc le prophète est comme un médiateur ou un intermédiaire entre le spirituel et le physique. Il est comme la frontière qui en réalité réunit le matériel et l'immatériel, ou qui réunit le spirituel, le visible et l'invisible. Je vais prendre un verset. Hier même, on a parlé de plusieurs prophètes comme Moïse, on a parlé de Enoch, on a parlé d'Abraham, et nous avons vu tout ce que tu as fait par eux. Deutéronome 18, le verset 18 nous dit ceci. C'est Moïse qui parle. L'Éternel dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc ça veut dire que la mission du prophète, en réalité, c'est de recevoir les paroles de l'Éternel, les paroles de Dieu, les paroles du Seigneur, les paroles du Saint-Esprit. Et de les transmettre maintenant au peuple de Dieu. Et si nous pouvons, nous voulons aussi aller en profondeur, le prophète est aussi celui qui reçoit le message, mais qui attend l'ordre de Dieu de diffuser le message ou de garder le message pour sa diffusion dans un temps précis que Dieu lui-même accordera et permettra. Donc le prophète n'est pas seulement un distributeur de messages, non. Il est aussi un receveur, il reçoit, il encaisse, mais il attend l'alarme de Dieu qui lui dit maintenant c'est prêt, tu peux passer le message. Nous pouvons voir dans les Écritures comment Dieu a dit à Daniel, dans tout le livre de Daniel, il a dit scelle ce message parce que ce message n'est pas pour ce temps. Daniel a reçu un message, mais qui n'a pas décodé parce qu'il n'avait pas l'explication, il n'était pas dans la saison du temps où ce message prophétique devait être utile. Donc lui-même, il n'avait pas arrêté la vision claire sur tout ce qu'il recevait, mais on lui parlait sur le futur. Donc Dieu disait, ceux-là qui seront en ce temps comprendront bien cette révélation ou cette prophétie, cette parole que je t'ai donnée. Nous avons vu aussi dans les Écritures, dans Apocalypse, comment Jean aussi a vu beaucoup de choses qui lui sont tellement fous qu'il n'a pas compris, mais il les a livrées avec des codages. Mais nous qui sommes dans le temps aujourd'hui, nous comprenons ces choses et le Saint-Esprit nous fait comprendre davantage. Et le Seigneur dit encore, il dit, mais le prophète qui oh, il dit, et si quelqu'un ne l'écoute pas et n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai
compte. Donc le prophète, lui, doit exercer sa mission, exercer sa fonction. Je peux aussi dire que le prophète est un avertisseur. Le prophète est aussi un conseiller de la part de Dieu. Le prophète est comme celui qui représente ou bien la représentation de Dieu pour les hommes. Il est à la fois un serviteur, il est à la fois un médiateur, il est à la fois l'intime de Dieu, l'ami de Dieu, qui est proche de Dieu, celui qui se consacre dans la présence de Dieu et qui prend tous les messages de Dieu et vient transmettre au peuple de Dieu. Même dans le livre d'Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel 3, le verset 18, le Seigneur a encore dit quelque chose concernant les prophètes. Il dit ceci: Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Nous comprenons aussi que les prophètes sont des sentinelles. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils jouent la fonction d'avertisseur. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Tu écouteras, il reçoit la parole. C'est là, on parle d'inspiration. Il peut recevoir la parole par une voix audible ou il peut recevoir la parole par une inspiration divine. Il sent en lui que Dieu veut me parler. Et là, il vient maintenant et il adresse la parole au peuple de Dieu. Et il dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas. Si tu ne parles pas pour détruire le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te demanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Donc le prophète, lui, il doit jouer son rôle. Ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il transmet, c'est ce qu'il fait. Ce que Dieu ne lui dit pas, il ne le fait pas. Mais nous avons aussi plusieurs types de catégories de prophètes dans la Bible. Hier, bon, dans la première partie... On n'est pas arrivé là, c'est juste... Il y a encore, c'est étape par étape, c'est juste pour comprendre... Bon, c'est ce que je peux dire. Voilà, l'expression, c'est quoi le prophète? Donc, je ne sais pas, docteur Silas. Moi, je vais juste disséquer ce qu'il a dit, énumérer des points, c'est-à-dire résumer tout ce qu'il a dit. Donc un prophète est un porte-parole. Un prophète est un messager. Un prophète, c'est un oracle, c'est-à-dire quelqu'un qui transmet, il reçoit une inspiration, comme il a dit. Un oracle, il reçoit une inspiration venant d'une divinité. Mais ici, c'est Dieu, le Dieu créateur. Ce n'est pas les dieux, mais c'est le Dieu créateur. Donc le prophète n'est pas... quelqu'un qui reçoit la parole de la part des petits dieux, mais du Dieu créateur du ciel et de la terre. Alléluia. Donc le prophète est un oracle, il est un détenteur de la voix de Dieu. Quand on dit détenteur, c'est le Saint-Esprit qui détient la voix de Dieu. Mais lui, le Seigneur lui donne la capacité de détenir, de connaître ce que Dieu a caché. C'est-à-dire Dieu cache des choses aux hommes. Mais le prophète est celui qui est capable de percer le mystère que Dieu a caché, de recevoir les choses que Dieu a cachées en lui et de les transmettre. C'est ce que le pasteur a dit. Donc il détient la voix de Dieu. Et quand il détient la voix de Dieu, imagine s'il détient absolument la voix de Dieu, comment le peuple entend la voix de Dieu? Il détient la voix de Dieu, mais il se charge de la transmettre. Donc c'est quelqu'un qui détient la voix de Dieu, mais qui la transmet au moment opportun. Donc voilà ce que vous voulez dire. Amen, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Effectivement, quand on parle de prophète, vous l'ajoutez. Oui, le prophète, le ministère politique est présent. Gloire à Jésus. En tout cas, que je prie à Dieu à ce que le prophète tienne pour ajouter, nous expliquer ce que c'est que il y a de cela quelques temps. Le Seigneur, pour m'expliquer, pour résumer ce qu'il attend de moi en tant que prophète, il m'a donné Matthieu 6, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur m'a dit, le rôle du prophète se résume à connaître la volonté de Dieu et la faire connaître aux hommes. Veiller à ce que en toutes choses, en toutes circonstances, en tout lieu, la volonté de Dieu soit faite. Voilà, c'est en cela qu'il va recevoir un message, qu'est-ce que Dieu veut. Voilà, il va communiquer. C'est en cela que, même sans que Dieu dise quelque chose,
étant donné qu'il a ce qu'il connaît de Dieu, il sait ce que Dieu veut maintenant et il se charge de la communiquer. Donc son rôle se résume à connaître la volonté de Dieu, la faire connaître aux autres, s'assurer que la volonté de Dieu est faite. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je vais juste ajouter ceci parce qu'il faut comprendre réellement ce que c'est que le prophète. Amen. Si on n'explique pas comme ça, le peuple de Dieu sera toujours dans la confusion et sera toujours berné par les vendeurs d'illusions. Gloire à Jésus. Nous irons dans 1 Samuel 9, verset 9. 1 Samuel 9, verset 9. Il dit ceci. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Ça voulait dire quoi? Le prophète, c'est celui avec qui on consulte Dieu. Ils ont dit détenteur de la voix de Dieu. C'est-à-dire celui avec qui on peut entendre la voix de Dieu. Celui par qui Dieu peut parler. En fait, ici, nous sommes dans l'ancienne dispensation, en fait. Parce que sous l'ancienne dispensation, c'est que Dieu ne communiquait pas directement avec le peuple. Dieu avait choisi soit les sacrificateurs, les rois ou les prophètes par qui l'Esprit de Dieu opérait. Et ceux ne peut pas opérer en un vil individu à l'époque, non. Mais avec la grâce, c'est là la question va se poser maintenant. Avec la grâce, l'Esprit maintenant n'est plus seulement vers une catégorie de personnes. L'Esprit dans tous les croyants. Alléluia. Donc tous les croyants sont désormais les témoins. C'est pourquoi l'Esprit même va le rendre. On a lu hier, Apocalypse 19, non? Voilà. Apocalypse 9, 10, on va lire ça encore. Pour qu'on comprenne réellement. 19, 10. Apocalypse 19, 10. Non, c'est 19, 10. C'est 19, 10. C'est 19, 10. Alléluia, mais la fin. 19, 10. Apocalypse 19, 10 va dire ceci. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et ceux de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Ceux qui ont le témoignage de Jésus. Alors, adore Dieu plutôt. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Tout à l'heure, on va expliquer ce que c'est que l'esprit de la prophétie. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le Seigneur afin de nous les enfants de Dieu. C'est ça en fait. La particularité par rapport à l'ancienne dispensation, c'est que il n'avait pas en réalité le statut d'enfant de Dieu. Parce qu'il ne lui appartient pas directement. Alléluia. Mais nous, avec la grâce, avec l'œuvre de la croix, il fait de nous enfants de Dieu. Autrement dit, nous avons l'esprit de Dieu maintenant en nous. Contrairement à eux qui n'avaient pas tous. Alléluia. Donc l'esprit qui parlait dans les prophètes avant, vers Samuel, tout cela, les rois, tout ça là. En fait, l'esprit est en nous. Donc, au lieu d'aller consulter les voyants, on a consulté maintenant les hommes, maintenant pour entendre Dieu, on peut désormais consulter Dieu par l'Esprit qui est en nous. Amen. C'est pourquoi hier on avait dit quoi? Nous sommes tous des prophètes. Alléluia. Donc, un prophète en réalité, au-delà de celui qui fait connaître la volonté de Dieu, un prophète, c'est aussi celui-là qui enseigne la parole. Un prophète, c'est aussi celui-là qui enseigne la parole. Maintenant, je pense que quelle que soit la division qu'on a donnée du prophète là, ce ne sera pas beaucoup plus clair si on n'explique pas ce que c'est que la prophétie. Parce qu'un prophète ne peut n'être jamais. On ne peut pas détacher du prophète prophétie. Amen. Donc nous allons expliquer ce que c'est que la prophétie. C'est quoi la prophétie? Amen. Est-ce que la prophétie, c'est une parole quelconque? Est-ce que la prophétie, c'est dit que l'onction de Dieu te localise? Tu seras béni, tu auras de mari, et ton affaire va prospérer. Ou bien Dieu me dit, bon, demain, fais ceci. C'est quoi la prophétie en fait? C'est quoi la prophétie? Alléluia. Homme de Dieu, c'est quoi la prophétie? D'abord, c'est pas si homme de Dieu voulait dire quelque chose. Docteur. Oui, la prophétie. La prophétie, c'est un message inspiré venant de Dieu. C'est un message qui révèle la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est une inspiration que l'on reçoit de la part du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose de programmé. On ne s'attend pas à ça.
C'est pourquoi on dit que c'est un message surnaturel qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas semblable à ce que les hommes, c'est-à-dire qui n'est pas lié à la sagesse humaine. Donc une prophétie, c'est un message, une inspiration qui vient tout droit du trône de Dieu, qu'on communique et qui a pour but de conduire, d'organiser la vie ou bien d'orienter la vie des croyants dans une saison. C'est-à-dire un message prophétique ou une inspiration ou bien une prophétie est dédiée dans le but de coordonner, de diriger, d'orienter la vie des personnes, de la cible. C'est-à-dire la cible, c'est ceux, c'est ce sont les destinataires. Et l'expéditeur est Dieu. Et le médiateur est le prophète ou bien toute personne, le canal, tous ceux qui ont reçu le don de prophétie. Donc, prophétie, c'est un message qui vient de Dieu. C'est comme un décret ou une révélation liée à ce que Dieu opère déjà, ou bien quelque chose qui existe, qui est caché, qui oriente la vie des destinataires dans une saison donnée ou une époque donnée. Donc, on peut dire que, en résumé, voilà, on peut dire. C'est ça une prophétie. Donc une prophétie, c'est une inspiration, c'est un message inspiré. Voilà. Très bien. Si vous dites que la prophétie est un message inspiré, alors pourtant la Bible dit que toute l'écriture est inspirée. Donc on va dire que la parole de Dieu est une prophétie. Elle a prophétie. Elle a prophétie. Elle a prophétie, c'est ça même. Donc la parole de Dieu, elle a prophétie. Amen. Évangéliste. Alléluia. Amen. Selon vous, c'est quoi la prophétie? Je bénis le Seigneur et pour cette avance. Et quand nous rentrons dans les Saintes Écritures, depuis Noé, et même la Bible nous a parlé aussi un peu de Enoch, dont nous savons peu de son ministère. La Bible a parlé juste de façon brève de son ministère, mais quand nous voyons qu'il fait partie des premiers prophètes que Dieu a utilisés. Quand nous quittons Enoch, nous descendons vers Noé. Nous voyons que la mission que le Seigneur confie aussi à Noé, c'est d'abord une mission de prophète. Parce que quand Dieu lui annonce que voilà, je veux détruire la terre, je veux détruire l'humanité, je veux exterminer la terre, voilà, c'est d'abord un message que Dieu est en train de lui transmettre. Et je sais que Noé ne va pas garder le silence sur ce message. Alléluia. Or, la parole qu'il a reçue, c'est une parole divine. Donc, la prophétie, c'est d'abord une parole divine. Alléluia. Que quelqu'un reçoit directement de Dieu pour transmettre à son peuple, pour transmettre au peuple de Dieu. Vous voyez? Et quand nous quittons Noé et nous redescendons encore vers Abraham, Abraham aussi, reçu de Dieu. Quand les anges devraient aller exterminer et Sodome et Gomorre, eh bien, Abraham était en contact avec les anges qui lui ont transmis le métal et qui lui ont dit, mais je ne peux pas faire quelque chose du genre sans t'avertir. Toi, mon ami, tu es mon ami, voyez? Et donc, Dieu a dit, voilà ce que je veux faire à Sodome et Gomorre. Et c'est là Abraham a commencé par plaider. Donc les prophètes aussi plaident. C'est en ça qu'ils sont des médiateurs, sentinelles. Alléluia. Donc Abraham a commencé à intercéder, à plaider pour que Dieu puisse vraiment revoir la sentence. Et malheureusement, le peuple n'était pas disposé pour écouter. Même Lot aussi avait joué le rôle de prophète. Parce que quand les messagers étaient venus, et il a été inspiré de leur mission que ceux-là, ils sont différents. Voyez? Et quand il est convaincu de ce qui va se passer. Il a averti. Le peuple dit, attention.
ne faites pas ce que vous voulez faire. Il y a danger. Alléluia. Il y a danger, mais ils en ont fait leur tête. Nous redescendons encore vers et Moïse. Voyez, vers Moïse, nous voyons que Moïse fut un grand prophète. Alléluia. Moïse fut un grand prophète et par Moïse, nous avons compris davantage et comment Dieu communique. Dieu peut communiquer avec un homme comme ça et lui révéler ses desseins et l'utiliser. Alléluia. Donc, nous avons vu dans le ministère de Moïse tout ce qui est caché dans le rôle d'un prophète. Vous avez vu, Moïse était en même temps, il était sentinelle. En même temps, il était intercesseur parce que à chaque moment, il vient plaider. À chaque moment, il vient demander la clémence de Dieu en faveur du peuple et tout ça là. Vous avez vu que le ministère de Moïse, le ministère prophétique de Moïse était accompagné de la puissance. Alléluia. Certains prophètes ont reçu la grâce de la révélation de la volonté de Dieu. Mais d'autres, en plus de la révélation, ils reçoivent encore la puissance. Alléluia. Ils ont en même temps la puissance. Donc, il y a toutes ces catégories de prophètes. Alléluia. Il y a ceux qui ont la grâce des paroles puissantes, des révélations, des visions, des oracles. Et il y en a aussi qui, en plus des oracles, en plus des révélations, le Seigneur leur donne aussi des dons de puissance. Et ils opèrent. Alléluia. Donc, nous avons vu tout ça là en Moïse. Et quand nous redescendons encore, nous avons connu d'autres prophètes. Mais l'ère maintenant des prophètes même. Alléluia. Vous avez vu que les prophètes accompagnaient le roi. Les prophètes aidaient le roi dans leur fonction pour ne pas pécher contre Dieu. Et nous avons vu beaucoup de rois qui se sont vraiment attachés aux prophètes, qui ont suivi vraiment les orientations des prophètes. Ils ont réussi leur fonction de leur royauté. Mais ceux, par contre, qui sont allés contre, ont échoué. Alléluia. Nous avons, par exemple, le roi David, qui avait comme prophète Nathan et tout ça là. Vous avez vu le rôle que Nathan a joué auprès de David. C'était pour guider David, pour l'orienter, pour l'avertir, pour lui dire attention, il y a danger, attention, il y a problème. Donc, quand nous voyons cela, nous voyons que le rôle de prophète aussi était effectivement de guider, d'avertir le peuple de Dieu. Alléluia. Quand nous redescendons encore, alléluia, vers Lara Jésus. Amen. Je suis en train de finir. Je suis en train de finir. L'idée est là. Je ne vais pas couper. Alléluia. Donc, vous allez voir que quand nous prenons tous les prophètes dans la Bible, hein, de l'ancienne alliance, nous voyons que c'est des gens qui ont une intimité avec Dieu. Leur relation avec Dieu était vraiment une relation très forte. Et ils se laissaient utiliser réellement par Dieu. Ce n'est pas des personnes qui sont dans la grande foule et qui font de n'importe quoi. Non, c'est des personnes réservées. C'est des canaux qui sont consacrés à Dieu, que Dieu utilisait. Alléluia. Donc, le don de prophétie sous l'ancienne alliance, nous pouvons dire que c'était une fonction de sacrifice. Quand vous prenez le prophète Ézéchiel, vous voyez ce qu'il a souffert pour le peuple. Dieu, c'est que Dieu l'utilisait puissamment, mais d'une manière spéciale pour convaincre le peuple, pour que le cœur du peuple soit touché, pour que le peuple se répand. Mais ça n'a pas été facile. Alléluia. Donc,
tout ça là nous montre que le rôle de prophète aussi, la fonction de prophète aussi, c'est pas aussi une fonction honorifique, c'est pas une fonction de gloire, c'est pas une fonction de royauté, mais c'est une fonction aussi de service comme les autres. Mais c'est des personnages qui ont une grâce particulière, une grâce d'intimité avec Dieu. Amen. Mais sous notre alliance maintenant, qu'en est-il des prophètes? On va Alléluia. Le thème est tellement si passionnant. Et chaque orateur peut aller en profondeur. Or, nous travaillons aussi dans un temps limité. Amen. Nous sommes toujours dans la connaissance de la prophétie. Amen. Nous retenons que les hommes de Dieu ont dit que la prophétie, c'est une inspiration. Alléluia. Divine. Une inspiration, bien sûr, divine. Et c'est poussé par le Saint-Esprit. Les hommes ont prophétisé, parlé de la part de Dieu. Alléluia. Une prophétie, effectivement, c'est un message. On a rempli les hommes à dire que si la prophétie est une inspiration divine, alors que la Bible dit quoi? Que toute écriture est inspirée. Donc ça dit que toute la parole de Dieu est la prophétie. Alléluia. Donc la parole de Dieu est la prophétie parce que tout ce qui est connu dans la parole, ça vient de Dieu. C'est une inspiration que les auteurs ont reçue et ont communiqué. Et ont communiqué pour quel but? Pour instruire. Pour corriger, pour amener à la foi. Donc la prophétie, effectivement, revêt tous ces éléments-là. C'est là que nous allons parler maintenant les caractères d'une prophétie. Amen. Parce que, vous savez, si nous disons que la prophétie est une inspiration, est un message, est une communication, est l'ensemble des signes que le Seigneur envoie, que Dieu envoie. Ici, nous sommes dans le cadre de l'Église, hein. Même dans le monde, il y a aussi prophète, il y a aussi prophétie. Là, c'est que ça met en relation une divinité et les hommes. Voilà, on a vu le cas même dans Acte 16 avec et la servante de Python, là, de Pitié, et qui avait l'esprit parmi les Pythons, qui prophétisait sous l'inspiration de cet esprit familier. Donc, en réalité, quand on parle de prophétie, ce n'est pas forcément que l'inspiration vient forcément de Dieu. Mais on passe sous l'inspiration d'un esprit. L'esprit peut être de Dieu ou non. Alléluia. Lorsque l'inspiration n'est pas de Dieu, cette prophétie ne vient pas de Dieu. Mais elle vient du diable. Amen. Mais il s'agit de l'Église. Donc, tout ce que nous disons, nous appelons le peuple de Dieu à comprendre que nous sommes dans l'Église et que il n'y a pas de problème de confusion d'esprit d'erreur. Non. C'est-à-dire que nous supposons que tout va normalement. Amen. Alors, on ne saurait parler de prophétie si nous ne mettions pas l'attention sur les éléments conscients d'une prophétie. Alléluia. Comment peut-on dire que ça, c'est une prophétie? Qu'est-ce que les éléments qui nous permettent, les conditions nécessaires pour qu'on parle de prophétie? Alléluia. C'est comme un message. Gloire à Jésus. C'est comme un message. Et je ne sais pas si Dr Silas veut intervenir à tout. C'est juste une petite réponse que je veux. Okay. Quels sont les yeux? Il y a, pour identifier une prophétie, il y a deux grands éléments. La forme et le fond. La forme et le fond. La forme et le fond. Les conditions de fond et les conditions de forme. De forme. Mm-hmm. Le fond, je commence par la forme. La forme, c'est-à-dire les aspects de la prophétie. Mm-hmm. Donc, la prophétie est la manifestation du don de prophétie. Mm-hmm. Donc, quand on parle de la forme de la prophétie, oui, on doit voir. La prophétie d'abord est une révélation, c'est une lumière que Dieu donne. C'est pourquoi l'Écriture dit quelque part dans deux pieds que la parole prophétique. Un pied metteur. Voilà. C'est pas le Saint-Esprit. Voilà. Que, non, je suis tout le verset 19, 2 pieds 1, 19 qui dit que nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien prêter attention. Comme une lampe. Donc c'est une révélation, une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le poids du matin se lève dans vos cœurs. Donc, dans la forme, on voit que la prophétie touche le passé, le présent et le futur. C'est-à-dire, la prophétie prend en compte toutes les dispensations, toutes les saisons, tous les temps de ta vie. Donc, la prophétie touche le passé, le présent et le futur. Donc, cette prophétie englobe plusieurs autres dons. Nous allons parler de ça. De ça. Donc, mais sachant que nous devons savoir que tout cela
est rassemblé par la parole de connaissance, de sagesse, le discernement des esprits, les prédictions, tout cela englobe la vie passée, présente, future du sujet ou de la cible prophétique. Ça, c'est la forme de la prophétie. Le passé, la lumière du passé, du présent, du futur. Ou en quelque sorte, l'usage utilisé, le don utilisé. Le don utilisé, c'est-à-dire le discernement qui révèle la chose, la parole de sagesse, non, la parole de connaissance qui expose ce qui est discerné, la parole de sagesse qui conseille, c'est-à-dire qui est une parole inspirée, qui accompagne la révélation de la prophétie pour qu'elle atteigne le but précis et une prédiction peut-être surnaturelle ou spirituelle qui vient de Dieu pour parler du futur. Donc ça, la forme prend en compte les temps, les dispensations de la prophétie et aussi les dons utilisés ou bien les éléments spirituels qui contribuent à la prophétie. Maintenant, à part ces éléments de forme, il y a le fond de la prophétie. Et le fond de la prophétie concerne le message donné. C'est-à-dire, le fond touche plus le message, la couleur spirituelle du message. Et en parlant du fond, la Bible dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Ça, déjà, dans le fond, on voit la parole. Une parole qu'on reçoit, l'évangile avait déjà développé. Il parle aux hommes. Donc, c'est ce qui confirme ce qu'on a lu dans 2 Pierre 2, verset 10. 1, 19, non, ou bien 2. Donc, en tout cas, 2 Pierre, ce qu'on vient de lire, dans 2 Pierre, alléluia, 2 Pierre 1, verset 19, la parole prophétique est une parole qu'on donne aux hommes de la part de Dieu. Maintenant, on dit, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie. Donc, le fond du message prophétique, ou le fond de la prophétie, c'est d'édifier, d'accompagner le ministère d'autorité pour édifier, ou bien édifier la vie de la personne. La personne qui reçoit la prophétie, ou bien l'église, ou bien le sujet prophétique, doit se sentir être formé, être renouvelé, être bâti, être relevé, être construit par la prophétie. C'est un message qui construit celui qui reçoit, la reçoit, ou celui qui, à qui ce message est transmis, ou bien l'auditeur. Alléluia. La prophétie, dans son fond, aussi exhorte. La prophétie est comme une exhortation du Seigneur. Le Seigneur exhorte son peuple à quelque chose. Le Seigneur édifie, oui, il construit. Là, on parle de l'enseignement, le côté prophétique, le côté de l'enseignement, de la doctrine liée à la prophétie, ou le côté j'ai déjà parlé de ça, des choses qui contribuent plutôt à notre renouvellement, à notre renouvellement de l'intelligence. Ça, c'est la construction ou bien l'édifice, ce qui édifie. Mais ce qui exhorte, c'est que Dieu donne une parole pour nous conduire à une œuvre excellente, ou bien pour nous conduire à éviter des dangers. Le parle de ça, pour nous parler des avertissements. La prophétie est, dans son fond, l'exhortation est comme des paroles d'avertissement, ou bien des paroles de recommandation, ou d'encouragement, ou aussi des ordres que le Saint-Esprit nous donne à exécuter. Donc, on parle de l'exhortation. Maintenant, la prophétie, aussi, dans son fond, est aussi basée sur la consolation. Une prophétie, quand elle sort du point de vue de la forme, on doit sentir qu'elle touche tous les aspects, ou bien tous les dispensations de notre vie, le passé, le présent, ou le futur, le ou tous les trois, ça dépend du Saint-Esprit, selon la forme, mais selon le fond, le message soit nous édifie, construit notre foi, contribue à notre maturité, à notre perfectionnement dans la foi, ou soit nous exhorte à faire le bien, à obéir à la parole, à la sainte doctrine, ou nous recommande à une œuvre excellente selon la voie de Dieu, selon la volonté de Dieu, et aussi nous console. C'est-à-dire, parfois, nous sommes dans des situations difficiles. C'est-à-dire, nous agonisons, nous pleurons, nous rendons troublés. Nous voyons que, comme si nous n'avons plus de paix, la prophétie nous fait quoi? Nous console. Et l'Esprit de Dieu utilise
le titre monologue, c'est-à-dire pour nous dire je t'aime, je t'ai appelé, c'est moi qui t'ai appelé, n'abandonne pas. C'est à ce moment que la prophétie console comme un père pour des fils. Voilà. Amen. Donc la prophétie joue le rôle du Saint-Esprit dans toutes les formes et fonctions. Amen. Gloire à Jésus, peuple de Dieu, vraiment. Nous bénissons le Seigneur pour votre vie, pour votre attention vraiment à cette émission spéciale, comme dit la Sainte Autrice. Vous voyez, c'est des rubriques que le Seigneur nous inspire de temps en temps pour édifier, pour éclairer son peuple. Et c'est aussi des moments aussi d'avertissement pour ceux-là qui s'empêtrent dans le désordre dans sa maison. Gloire à Jésus. Amen. Et le thème de cette émission spéciale, c'est le mystère prophétique controversé. Amen. Les réalités. Gloire à Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de... Malheureusement, le temps nous a vraiment joué. Nous sommes dépassés par le temps. Et oui. Nous sommes vraiment... nous avons le devoir de suspendre pour cette journée. Certainement, nous allons continuer la séance prochaine, la suite. Et soyez câblés sur la chaîne Jésus Revient TV. Jésus. Ok, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons infiniment merci pour ce moment que nous avons partagé ensemble, Seigneur, autour de cette table. Oui, et ton esprit a été au contrôle de toutes choses. Nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. À présent, Seigneur, que nous avons fini cette séance encore, nous recommandons toutes choses entre tes mains. Oui, que cet enseignement, que cette table ronde, les mots-clés, les thèmes qui ont été démystifiés, Seigneur Jésus, je prie que l'enseignement soit attaché au cœur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, nous prions que tu nous remplisses davantage pour les prochaines fois, afin que ton peuple soit édifié et que les ténèbres soient, oui, également dévoilé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, fais-nous asseoir dans les piliers de la vérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ton peuple soit éclairé davantage et que la gloire te revienne en toutes choses. Reçois toute la gloire, reçois l'honneur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons... Amen. Merci pour notre deuxième partie sur la réalité de la prophétie. Soyez bénis. Qu'en dit la saine doctrine ?